Bonjour YouTube, c'est parti pour la découverte de Zombie Cure Lab. En fait, c'est pas que Crysis m'a saoulé, c'est que je trouve le gameplay lourd, tu vois. Je trouve ça un peu lourd. Donc, voilà. Nous ne savons ni comment ni pourquoi tout ceci est arrivé en ce jour funeste. Tout ce que nous savons, c'est que les zombies nous ont envahis et que tous ceux qui se faisaient mordre se transformaient à leur tour. Leur nombre a inlassablement augmenté et ils sont insensibles à toute attaque. En une fraction de seconde, la civilisation s'est effondrée. Mais dans les régions reculées du nord du Canada, un groupe de scientifiques travaille sans répit dans les profondeurs du complexe souterrain de Moose Lab. Les scientifiques ont été largement épargnés par les horreurs de l'apocalypse zombie. Ils ont donc décidé de se défendre avec leur arme de prédilection, la science. Depuis, ils ont réalisé de premières avancées prometteuses dans le développement d'un remède contre les virus zombies. Le moment est maintenant venu d'effectuer des travaux sur le terrain. Les scientifiques du Moose Lab ont réuni leurs membres les plus courageux. Leur mission consiste à construire un laboratoire et à le défendre contre les attaques zombies. Capturer des zombies, soigner-les et aider-les à recouvrer leur humanité. Il est grand temps de sauver le monde. Ouais, mais voilà, tu vois, je comprends, Nanou. Je comprends. Et coucou, Loctaria, ça va et toi, comment vas-tu? Et re-Elina. J'ai envie de suivre cette fois, j'ai juste vu de l'an. Oui, ok. C'est les gros kicks, ils sortent pas. Oh. J'ai la pêche, bah nickel. Nickel, nickel. Expédition bac à sable, tutoriel de guérison des zombies. Oh, c'est des tutos? Bah oui, on va faire le tuto. Commencez un nouveau là. Ok, dans ce laboratoire, vous apprendrez comment jouer à ce jeu. C'est parti. Gérald le barbare, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. Ok. Commencez. On va voir ça ensemble. Faut pas faire peur comme ça, hein. Oh. C'est un jeu qui est en early access, si jamais. Zombie, The Humby Evolution Human. Ok. Ok. Notre monde a malheureusement été envahi par des zombies sans cervelle. La civilisation s'est effondrée, cependant, une petite équipe de courageux scientifiques canadiens tente de guérir le virus zombie. L'objectif de votre expédition est de soigner les zombies dans cette zone. Vous devrez construire un laboratoire opérationnel et le défendre contre les attaques nocturnes des zombies. Avec le temps, vous serez en mesure de transformer les zombies en ominu-zombus, des hybrides mi-zombies mi-humains, puis de totalement les guérir et de leur faire retrouver leur forme humaine. Le processus de transformation des omni-zombus en humains passe par plusieurs étapes de traitement. Soignez des zombies afin qu'ils rejoignent vos effectifs. Vous pouvez consulter vos effectifs dans le coin supérieur gauche de votre écran. Oui. Remplissez ces objectifs pour comprendre comment fonctionne le jeu. Non, je vais pas le faire, Nanou. C'est pas un jeu qui m'intéresse. Voilà. Ok, compris. Voilà, ce sera moins fort. Regardez à droite, tout va bien, bien sûr. Non, mais j'ai fait la même. Hein. Alors, utilisez la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Oh! Ok. Donc ça a l'air d'être la zone. Zoomer le plus possible. Ah oui, ok, d'accord. Oh, regardez, c'est les potés humains. Tammy, est-ce que je peux le renommer? Je peux pas le renommer? Comment ça? Mais comment ça on peut pas renommer les humains? Pour mettre en pause ou reprendre la partie? Ok. Vous avez besoin de ressources pour construire davantage de pièces et d'objets. Le nombre total de ressources en réserve est affiché en bas de votre écran, ici. Tout d'abord, construisez un camp de ressources et un moyen de transport pour assembler et réapprovisionner vos ressources. Ouvrez le menu construction situé dans le coin inférieur gauche de votre écran, ici. Rendez-vous dans l'onglet production, sélectionnez camp de ressources, sélectionnez moyen de transport et placez-le. Ok. Vous pouvez alors définir les ressources que vous souhaitez collecter dans le camp. Donc, on va ici. Production. Camp de ressources.
peux par exemple mettre mon camp de ressources. On peut le tourner. Je peux peut-être mettre le camp de ressources. Ici. Et... le moyen de transport. Ici. Ok. Envoyez vos travailleurs collecter des ressources. Donc là... ah! Je peux lui demander quoi? Service de jour, service de nuit, ramassage, collecte? Ouais. Moi, je veux du bois. Et des légumes. C'est ça, hein? Ouais, on veut du bois et des légumes. Donc récoltez-moi ça. Oui, un petit peu, ouais, Elina. Un petit peu. Salut Pouille, comment vas-tu? Ça a l'air mieux que le jeu précédent. Il t'a pas plu le jeu précédent, c'est vrai? Dommage. Après, si t'es pas fan des Final Fantasy, c'est normal. Donc là, on est en train de récolter du bois et des légumes. J'ai vraiment faim, hein, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est, ça? Ok. On peut peut-être accélérer le temps. Ok. On attend qu'il ramasse les légumes maintenant. Ramassez-moi les légumes. T'as pas trop accroché? Ouais, ok, je comprends. Je comprends, je comprends. Est-ce que pour les zombies, ça compte comme des légumes? Est-ce que les zombies, ça compte comme des légumes? Non. Non, non, non. Non, j'ai vraiment faim. Mais le problème, c'est que c'est des pâtes à manger. C'est un peu embêtant en live. Para que funcionen los objetos de producción, se necesita al menos un trabajador. Merci. Vous pouvez définir les tâches que les travailleurs affectés devront effectuer en cliquant sur les icônes correspondant sous l'entête affectation des travailleurs. Les travailleurs affectés à des objets de production accompliront automatiquement leurs tâches. Ah. Vous pouvez également définir les services durant lesquels chaque travailleur affecté travaillera jour, de nuit ou les deux. Oui, il va falloir parler des soucis de traduction, bien sûr. Donc toi, par exemple, toi, je vais te mettre au service de nuit, monsieur. Voilà. Et toi, tu fais les deux, tu fais tout. Voilà, toi, tu fais le service de jour. Et maintenant, vous pouvez tout ramasser. Assigner davantage de travailleurs. Ok, comment on fait? Comme ça. Ok. Retirer des travailleurs affectés aux moyens de transport. Deux. Ok. Changer les services de travailleurs. Réserve principale. Ah, réserve principale. Nombre de services de jour. Deux. Donc, service de jour. Ok, donc voilà. Là, ils sont en il y en a deux qui sont en service de jour. Ok. Pour satisfaire les besoins de vos humains, vous devez construire une cuisine dotée d'une table de salle à manger et d'une chambre avec des lits et un canapé. Bah, toujours plus, ça va. Ça va. Pour satisfaire les besoins de vos humains, ce sont mes humains. Ce sont mes petits humains. Nickel. Sélectionnez l'onglet cuisine dans le menu construction, choisissez l'outil construction de pièces, puis faites glisser pour définir la taille de la cuisine. Ajoutez une porte et une salle à manger dans votre cuisine. La construction d'une chambre repose sur le même principe, n'oubliez pas d'y ajouter des lits et un canapé. Pour davantage personnaliser... ok, fusionnez le... ok. Attends, pour davantage personnaliser la configuration d'une pièce, utilisez des outils, fusionnez la pièce, redimensionnez, ok. Vous pouvez toujours changer de type de pièce en sélectionnant un autre type dans l'infobulle, mais attention, les objets placés dans cette pièce du mauvais type ne fonctionneront pas. Ok. Et un bureau pour streamer? Non, ils n'ont pas besoin de streamer. Hein. Ils n'ont pas besoin de streamer, hein, voyons. Alors attends, on va ici. Cuisine. 10 par 10, recommandé. Donc... ouais.
Voilà, donc là ils vont venir construire, c'est ça, j'imagine? Mais c'est trop bien de les voir au fur et à mesure comme ça, regardez! Quoi? Ah, j'ai cru qu'il y avait des zombies. Ok, eux ils récoltent tout, ça me va. Ça me va, ça va. Ok. Est-ce que vous entendez bien les sons du jeu ou pas, ou est-ce que je les remonte? Bon, on va peut-être accélérer. Tu trouves bien les sons? Ok. Ok, faut me dire. Hein. Oh, la musique vient de revenir. Allez, on se dépêche. Oh bah dis donc. Voir la liste. Aperçu des affectations. Service de jour, il est sur quoi? Information sur emplacement. Ok, eux ils sont ok. Ah oui, là c'est ici. D'accord. Ok, bon on verra. Il a l'air complexe le jeu, mais ça se fait. Ah, il faut que j'ajoute une porte! Attendez, ajoutons une porte, les amis. Une porte. Ici. Voilà! Super! Donc maintenant, il faut qu'on ajoute une table de salle à manger. On va la mettre... On va essayer de faire ça bien. Là. Et en vrai, on peut en mettre une deuxième, ils sont beaucoup. Voilà, construisez une chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on se calme, hein? Eh, mais si vous détruisez tout le bois, comment on va faire? Oh. Alors. Oh, il y a une tente. Ici. Chambre. Du coup, il faudrait construire une chambre en... 7 par 10. On va pas la mettre à côté, voyons. On va la mettre ici, la chambre. Annulé. On va mettre la chambre ici. Voilà. Ouais, parfait. La chambre ici, c'est parfait. Et même qu'on va mettre une porte ici. Voilà. Comment ça, monsieur Estragon? Bon, on va réaccélérer le temps, du coup. Ah, ça va bientôt être la nuit. Vague de zombies à venir. Ça va. Attaque normale, 19 zombies. Ce mood, ah bah oui. Mais c'est ce que je te dis, hein, sur Crazy Score, le problème, c'est que je sentais hein, que mon mood était pas au top. Oui, ah non, mais complètement, hein, monsieur Estragon. Complètement, c'est pour ça d'ailleurs que je vous ai dit qu'on allait changer, parce que... Ah, tombée de la nuit, on n'a pas de zombies. Bon, bah tant mieux. Il y en a plein qui font rien là.
toi tu vas faire ça et puis toi tu vas faire ça et ça. C'est bon ? Ici, il y a quoi moyen de transport ? Ça sert à quoi le moyen de transport ? Les travailleurs assignés utilisent des brouettes en bois pour transporter les ressources de manière plus efficace. Ah bah oui ! Réapprovisionnement. Ouais. Faire ça. Ok, c'est bon, la pièce, elle est construite là ? Elle est construite. Donc on va mettre 5 lits. Ouais, voilà. Et un canapé. Canapé, on va le mettre ici. Voilà. 5 lits pour 20 personnes. Hein. On est bien. On est plutôt bien. Vous pouvez déverrouiller davantage d'objets de meilleure qualité en vous rendant dans le panneau de recherche et en dépensant de la recherche. Alors ça, j'aime. La recherche est générée par les scientifiques travaillant au bureau de recherche dans la salle de recherche. Ok. Chaque nouveau grade offre de nouvelles possibilités de recherche. De nombreux objets disposent d'au moins une amélioration à rechercher et construisez le bureau de recherche en sélectionnant l'onglet salle de recherche dans le menu de construction. Ok. Donc il faut qu'on construise l'onglet salle de recherche. Donc il faut qu'on fasse une pièce 10 par 10. Et ouais, mais là, attends. Non. Bah ouais, mais non. Attends. Et si je me mets ici ? Voilà, 10 par 10, c'est parfait. On va mettre une porte. C'est important, les portes. Nuit suivante, il y aura 19 zombies qui vont nous attaquer. Ça va le faire. Ça va le faire. Oui, c'est vrai, l'Octaria, c'est pas bête, hein. C'est pas bête. Un bureau de recherche. On va le mettre ici. Et chambre de traitement. Et on n'aura pas assez de bois, hein. Chercher congélateur à soufflet, ok. 4 par lit, clairement ça va chauffer. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Oh, regarde, il y en a un qui dort. Salut monsieur, est-ce que toi tu serais pas du travail de nuit? Hein? Ok. 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 Voilà. Parfait ça. Ah mais attends, il faut que je construise 3 bureaux de recherche. On peut faire genre là et là. Tu sais, comme ça, c'est un petit peu... C'est un petit peu genre classe. Qu'est-ce qui nous manque ? Il va nous manquer du bois. Alors du coup, ici... Récoltez-moi du bois, s'il vous plaît. Bon, on verra ça plus tard. Déjà, récoltez-moi du bois, ce serait cool. Voilà. Et donc là, comment on fait ? Obtenez 50 de recherche. Ah, parce qu'il y a un mec qui va bosser là et ça va nous faire de la recherche. C'est ça ? Ah ! Et la phosphobée, ça donne de la recherche. Ah mais attends, mais c'est important, récolter ça là, voilà, juste ça. Du bois, on n'a pas beaucoup de bois, hein, tranche 8.
Là, il nous faut 90 de bois pour construire un bureau, ça va quoi. Toujours plus. Et alors, comment on fait ? Panneau de recherche. Congélation. Attends, il veut qu'on construise, qu'on recherche congélateur à souffler. Bac de musculation. Production de légumes, ok. Production. Ouais, science. Électricité. Bah, c'était où, vous l'avez vu? Ah! Comment ça ma cam... Ah oui, d'accord. Alors attends. Je sais, la cam, on va la mettre. Ici. Voilà. Je cherche le congélateur à souffler. Hein. Je sais pas où il est. Congélation. Quoi? Mais attends, où est-il? Dans nourriture, bah j'ai pas vu dans nourriture non plus. Production de légumes, tu vois. Table à manger, grill. Je ne sais point. Je ne sais point où c'est. Oui, il met des dimensions, mais du coup, je vois pas ce que c'est. Agencement. Portail, clôture, mur, porte. Casier de simulation, tournesol. Donc ça, non. Congélation. Science. Électricité. Batterie. Éolienne. Production. Non. Nourriture. Besoin. Production de poches de glace. Comment tu sais ça? Congélateur à souffler, ah bah oui. Vous perdez la partie si vos travailleurs sont transformés en zombies ou si votre réserve principale est détruite. Une clôture offre une protection basique à votre laboratoire. Les zombies doivent d'abord la détruire avant de pouvoir s'introduire dans celui-ci. Vous aurez également besoin de construire des portails afin que vos travailleurs puissent entrer et sortir de votre laboratoire. Les zombies attaquent vos portails en priorité. Utilisez cette information à votre avantage. Nous ne tenons pas à anéantir les zombies. Par conséquent, nous nous contentons de les geler dans un bloc de glace. Fabriquez diverses armes cryogéniques afin de pouvoir les geler. Les armes cryogéniques ont besoin de poches de glace faisant office de munitions et d'un opérateur pour... fonctionner correctement. Vous pouvez obtenir des poches en fouillant de vieux bâtiments dans la zone ou en les produisant à l'aide d'un congélateur à souffler. Ok. Vous pouvez confiner votre laboratoire en utilisant le bouton confinement situé en bas à droite de votre écran. Les travailleurs s'enfuiront immédiatement et resteront dans les zones
ne pouvant pas être atteintes par des personnes hostiles. Vos travailleurs poursuivront leur tâche uniquement s'ils peuvent accomplir... Ah oui, ok, d'accord. Donc attends, on va mettre pause. Construisez un portail. J'ai pas très envie de construire un portail. Mais ok. Construisons un portail. C'est dans quoi ? Un portail. Si on le mettait genre vraiment à l'opposé, tu vois, le portail. Ici. Là. Construisez un congélateur à soufflet. Donc ça, ça va dans quoi ? Dans production. Production. Congélateur à soufflet. Il va dans quel... Ah, je peux le mettre à l'extérieur, d'accord. Bon, on va le mettre à l'extérieur, non ? On va le mettre ici. Placer un lance-boule de neige. Construisez un lance-boule de neige. Remplissez les boules de neige. Ok, on va voir. On va voir. Placer un lance-boule de neige, mais... Comment ça ? Un lance-boule de neige ? Là, vite ! Il faut en construire un autre. Donc là, il y a un opérateur, on va en construire un autre de lance-boule de neige. Ok. Attends, il faut qu'il soit dans la zone ? Ah oui ! Il faut qu'il soit dans la zone, ok. Donc ça, on va le déplacer, on va le mettre ici aussi. Non. Comme ça, voilà. Donc là, ils s'en prennent au portail. Remplissez les lance-boules de neige. Attends, il y a un ennemi dans la base. Moi, ce que j'ai besoin de savoir... Mais je vais pas avoir le temps de préparer tout ça. Bon, attends, on va voir. On va voir. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais t'es un peu bête ? Ok, ça se remplit automatiquement. Ce qu'ils font. Ok. C'est où le truc de confinement ? Attends, objectif. En bas à droite. Confinement situé en bas à droite de votre écran. Là. Voilà. Ceux-là, en fait, ils vont juste mourir. Donc il s'enfuit dans une zone sécurisée. Très bien. Mais oui, mais ils sont bêtes en fait, ils essayaient absolument de sortir, mais n'importe quoi.
Et comment ça marche, ça? Il faut attendre que la nuit passe, c'est ça? Attends, on va accélérer le temps. Ah mais c'est bien, continuer, hein. C'est parfait. Ils savent pas trop quoi faire en fait. Et donc là maintenant il fait jour. Donc là ils s'en vont. Ok, donc les zombies n'attaquent que la nuit. C'est bien que tu sois un peu plus rapide. Et je vais te rajouter un pote avec toi. Soyez rapide. Plus rapide, s'il vous plaît. Parce que là, ça va pas. Ok, donc là, je peux enlever la zone de confinement. Le camp de ressources, il s'occupe de tout ça. Ok. Mais du coup, je peux peut-être mettre un autre portail ici. Certains objets ont besoin d'électricité pour fonctionner. Vous pouvez construire de l'électricité en fabriquant différents types d'objets tels que des générateurs, des éoliennes ou des panneaux solaires. Construisez des panneaux électriques pour connecter vos objets en produisant de l'électricité et en ayant... À ceux en ayant... Ok. Ok. Attends, je veux juste construire ici un portail. Les zombies traités deviennent des mini-zombus et traversent trois différents niveaux d'évolution. Chaque niveau d'évolution possède ses propres caractéristiques. Pour passer à la prochaine phase du traitement, vous devez rechercher et construire la chambre de traitement correspondant. Donc, là, si on va dans la recherche, on a chambre de traitement de niveau 1. On peut mettre ça ici. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut 300 de bois, hein. C'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Maintenant, on va construire... Alors, construisez chambre de traitement, ok. Construisez chambre de traitement. Ah, il faut... Ok, la chambre de traitement, il faut la connecter à un réseau. Comment je fais? Je sais pas comment je suis censée faire. Je comprends pas tout, hein. Voilà. Là. Parfait. C'est parfait, ça. Non, il a l'air très très cool comme jeu, mais compliqué à comprendre. Mais tu vois, finalement, patron, hier, au début, on était là en mode bof et tout. Finalement, après, tu vois, ça s'est bien passé. Je pense qu'il faut juste comprendre les bases et après, tu peux t'éclater de fou dessus. Allez, qu'est-ce que vous faites? Quoi, y a pas assez de quoi? 25 de bois. 19, attaque normale, c'est ok. Mais du coup, ça veut dire que le lance-boule de neige, là, je peux le mettre ici. Et du coup, je peux construire un poteau. Genre ici. Et là, c'est pareil, tu vois, on va le déplacer. Ici. Et on va mettre un poteau électrique. Comme ça, c'est parfait. Mais ça va bien, Bilbon, et toi, comment vas-tu? Mais ce poteau électrique est à faire en priorité. À moins qu'on puisse pas construire de poteau électrique. Mais on a du bois? On peut pas le construire là, c'est ça?
si, on peut. C'est bon, j'ai eu peur pendant un instant. Oui, oui, bah oui, je me suis bien reposée, même si cette nuit j'ai eu une insomnie et du coup je me suis couchée à 3h du matin. Et je me suis pas réveillée ce matin, j'avais pas mis de réveil. Quand je me suis couchée, je me suis dit, oh, allez, large, si je compte, ça me fait 7 heures de sommeil. Oh, 7 heures de sommeil, je serais réveillée à 9h, même avant. Oui, bah non, 10h, 10h07. 10h07, mais bon, c'est pas grave. Pour commencer le processus de guérison, vous devez tout d'abord capturer des zombies. Si vos armes cryogéniques infligent suffisamment de dégâts à un zombie, celui-ci sera gelé sous forme de blocs de glace. Cela facilite son transport. Vous pouvez envoyer un zombie se faire traiter en sélectionnant soit le zombie gelé, soit une chambre de traitement. Les deux disposent d'une icône correspondante avec leur infobulle. Ok. Vous pouvez également activer le mode automatique de la chambre de traitement si les zombies gelés seront automatiquement marqués. Ah bah oui. Attends, quoi? Tu peux répéter? Le mode automatique. Ah oui, ah bah oui, t'as bien dormi. T'as bien dormi. Comment on fait le mode automatique? Je sais pas comment on fait. Traitement automatisé, ah bah si, voilà, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça, c'est parfait. Ok, il va nous falloir un autre camp de ressources. À la limite, je me dis, on peut le déplacer. Tu vois, et on peut le mettre... On peut le mettre ici. Geler un zombie traité, ouais, donc ça, ça viendra dans la nuit qui arrive dans 4 heures, dans 6 heures même. Donc ok. Là, on est bon. Heureusement qu'on n'a pas la faim à gérer, hein. Ah si. Bah si, en fait, on a la faim à gérer. Ah ouais, souvent quand on est à fond dans un truc, on voit pas du tout le temps passer. Là, normalement, voilà, ça sélectionne beaucoup plus de choses. Donc là, c'est bien. Là, il y a une cabane en ruine. Ça peut être pas mal. Et là, il y a un tunnel. Ok. Frigo abandonné. Oh! Oh! Récupérez-moi tout ce que vous trouvez, hein. Bon, on va accélérer le temps. Qu'est-ce que c'est ? J'aime pas que la musique elle s'en va comme ça. Vous avez de la neige aussi chez vous ? Pas du tout. Enfin, ou en fait, je sais pas. On est quel jour ? On est mardi. Eh bien, sache que ça fait depuis vendredi soir que je n'ai pas vu l'extérieur. Ouais, mais ouais, ouais. Et là, aujourd'hui, si je vais à l'extérieur, c'est parce que je bosse. Ce soir-là, à 18h, je bosse. Non, j'ai pas vu l'extérieur depuis... En plus, mes volets sont fermés, tous les volets sont fermés, donc vraiment, je n'ai pas vu l'extérieur. Même pour aller chercher mon colis, le mec était dans le bâtiment pour me donner mon colis. Donc je n'ai pas vu les... Non, non, ça fait un moment que je suis pas sortie de chez moi. L'ours polaire. Ah ouais, non. Bah, non, l'ours polaire, il pourrait sortir. Mais moi, je peux pas sortir, il fait trop froid. Hein. En vrai, je me dis, et si on déplaçait le truc ici ? Et que ça, on le déplaçait. Et en fait, ça, on va le déplacer pile en face.
Voilà. Et du coup... ça, on le déplace juste là. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Il a neigé et tout. C'est tout blanc. Ah ouais ? Bah dis donc, je ne veux pas habiter dans ta campagne. En vrai, je déteste la neige. Moi, le seul moment où j'aime la neige, c'est quand je fais du ski et que j'ai 150 couches sur moi et qu'il n'y a pas un pet de neige qui peut atteindre ma peau. Tu vois ? C'est vraiment le seul moment où j'aime bien la neige. Sinon, je déteste ça. Je me souviens même des crises que je faisais quand j'étais petite et que dans mes gants, il y avait de la neige. Des fois, tu sais, quand tu tombes et que dans les gants, il y avait la neige qui venait se bloquer dans... entre tes gants et ta peau. Oh, ça m'énervait. Ça me rendait hors de moi. Je sais pas ce que je dois faire. Pour le moment, on va juste suivre les objectifs. Hein. Notre progression a été sauvegardée. Ça va être la nuit. Moi, je veux voir d'où ils arrivent, les zombies. Ils vont arriver par là. Hein. Oh non, mais quelle idée! Est-ce que les zombies arrivent de par là? Oui, ils arrivent de par là. Confinement! Allez, on rentre! Et là, on va mettre deux mecs. Et là, on va mettre deux mecs aussi. Voilà. Oh! Regarde, il envoie les petites bouboules de neige! Ok, il n'y a personne qui est intéressé pour passer par là. Hein. Je suis un peu déçue. Un petit peu déçue quand même. Hein. Bon, il faut qu'on arrive à en transformer un. Moi, ce que je propose, c'est que vous me décaliez ça. Et qu'on le mette ici. Allez, dépêche-toi. Humain, ouais, ok. Ah, j'ai peut-être pas assez d'humains. Lui là. Prioriser le traitement. Objet hors de portée, pourquoi? Attends, objet hors de portée. Cet objet hors de portée, les tâches suivantes ne peuvent être transport de zombies gelés. Oh non. Est-ce qu'il faudrait que je construise un... je sais pas, je vais construire ça, je me dis c'est peut-être relié. On a 3 zombies congelés. Oh non! Il a plus de boules de neige, dépêche-toi là! Priorité élevée! Et hop! Non! Il était à deux doigts de se transformer! C'est quoi ce petit zombie cure là? Bah, c'est un jeu. Alors là, on est encore sur le tuto, Vilbon. Non, on n'a pas de mort pour le moment. On est encore sur le tuto, mais en gros, c'est un jeu où on va construire notre base de scientifiques et essayer de sauver les zombies pour leur trouver un remède pour les transformer en humains
et pour qu'ils nous aident à agrandir la base et ainsi de suite. Ah, mais l'objet était peut-être hors de portée. Bah oui, vu que c'était une zone de confinement. Bah bien sûr. Ah bah oui. Bon, par contre, ils sont en train de décongeler. Ok, on a un... Oh! On a un mec! C'est notre premier mini-zombie, là! Blablabla. Attention, une fois qu'un omini-zombus est de très mauvaise humeur, il devient en colère. Un omini-zombus est capable d'endommager votre laboratoire en attaquant vos constructions. Assurez-vous toujours de satisfaire leurs besoins. Vos omini-zombus en colère se calment au bout d'un certain temps. Les gardes d'un bâtiment de garde peuvent également les congeler. Les omini-zombus gelés sont transportés dans une station d'apaisement où ils pourront se calmer peu à peu. Vous devrez prendre particulièrement soin de vos omini-zombus où ils risquent de se mettre tout le temps en colère. Ok. On a besoin d'un tas de nourriture débordant de viande crue et d'une salle d'entraînement pour faire travailler leurs muscles. De différents niveaux ne possèdent pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes besoins. Ok. Donc, on va mettre pause parce qu'avant qu'ils se mettent en colère... Donc il faut construire une salle d'entraînement. On va faire ça. Donc c'est en 5 par 6. Voilà. Et dedans il faut construire une presse à cuisse. Ok. On va en construire plusieurs. Voilà. Comme ça. Et une porte ici. Je pense parfait, hein. Bah bien sûr, Abil, bon, évidemment. Toujours penser productif. Faut toujours être productif. Alors ça, ok. Organiser la production de viande. Construisez un cultivateur de viande. Donc, si je dis pas de bêtises. Besoin. Nourriture. Cultivateur de viande. Tas de nourriture. Ah mais on les a? Ok. On les a, donc on va aller dans nourriture. On va construire le cultivateur. Ah. Ah oui, non, ok, ça va dans un truc comme ça. Ok, ok, ok. Pourquoi? Ok, ça va là-dedans. Cultivateur de viande et tas de nourriture, on le met ici. Bah voilà. Attends, on peut peut-être déplacer. Ouais, et mettre le tas de nourriture comme ça, là. Allez hop au frigo, t'imagines. Ok, on peut reprendre. Donc là, on va construire pas mal de choses. Hop. Ça explique au fur et à mesure, mais le moment où je vais devoir faire une vraie mission et qu'on aura fini le tuto, je pense que j'aurai tout oublié. On est à moins 25 d'énergie, alors attends, ça va pas. Poteau électrique, alors attends. Production, énergie. Stockage d'énergie, roue à électricité, éolienne. Vous pouvez utiliser l'hélicoptère afin que le Moose Lab envoie des ressources à votre laboratoire. Vous pouvez également envoyer n'importe quel type d'omini-zombus au Moose Lab pour augmenter le niveau de progression du remède. Pour rechercher les chambres de traitement 2, 3 et 4, vous devez augmenter le niveau de progression remède en envoyant des... Ok, d'accord. Pour commencer à commercer, ouvrez la carte du monde puis sélectionnez Moose Lab. Vous pourrez demander des ressources depuis cet écran. Attends, quoi? Ouais. En renvoyant les omini-zombus, vous augmentez le niveau de production du traitement. Vous générez de la recherche pour votre laboratoire.
Vos travailleurs ont succombé aux attaques de zombies ou à des zombies en colère. Pas de panique, vous pouvez demander aux mouses de vous envoyer de nouveau. Ah bah ça va, si nos scientifiques sont remplaçables, tout va bien. On va mettre pause. Moi j'aurais juste aimé construire un... Ah ok, non bah j'ai pas besoin en fait, je sais pas. Donc ça ok. Un conteneur est arrivé à votre laboratoire. Oui. Commercer, bah oui, qu'est-ce que je fais? Envoyer un travailleur au quartier général de façon permanente. Alors attends, parce que moi j'essaye de comprendre. Carte du monde. Moose Lab. Ok, donc lui, le mini-zombus. Progression du remède ou de la recherche, plus 50. Non mais, progression du remède en vrai. Envoyer l'hélicoptère. Du coup je peux retourner. Recommencer la mission, certainement pas. Je suis en semaine de révision, mais là, c'est plus du glandage alors que j'ai des partiels lundi. Bah bravo! Je te félicite pas. Après, bon... Des fois, se reposer, c'est bien. Maintenant, si on fait que ça, c'est moins bien. C'est moins bien. On est d'accord que j'ai raté dans 7 minutes. Ah, j'ai envoyé l'hélicoptère, mais j'ai... Oh non! Je suis plus dans le moins bien, au revoir. Voilà, je réactive. Alors ça, c'est quoi? Ah oui, attends. Ah bah oui, il y a plein de mini-zombus. Là. Il m'envoie un conteneur. Oh. Et donc là, on regarde là. Et là, il est en train de repartir. Et si on met x3, ça va plus vite. Bah oui, forcément. Touk, 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 touk. Ok. Ok. C'est juste comme ça et c'est comme ça qu'on fait du commerce. Alors j'ai pas tout regardé mais je comprends le système. On n'a pas d'autres mini zombus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Bah en fait c'est le tuto. Vous avez gagné une progression. Ok. Vous avez atteint la fin du tutoriel, oui! Afin de color, construire le laboratoire idéal. Vous pouvez continuer cette expédition en faisant un fil de tutoriel ou en recommencer une nouvelle depuis la carte du monde. Bah vas-y, viens, on recommence. Expédition bac à sable, difficulté normale. Cependant, commencez avec beaucoup de ressources afin de pouvoir construire le laboratoire de vos rêves. De grosses vagues de zombies apparaissent tous les 10 jours. Ok, il y a 3 tunnels. Hein. Difficulté très facile. Ah oui, oui, oui. Oui, le très facile, nous on aime. Sacré tuto. Ouais, mais c'était important, je pense, tu vois. Un tuto d'une heure, mais c'était important. Du coup, consistant à soigner des zombies dans une région sauvage du Canada, où se trouvent très, très peu de zombies. De grosses vagues de zombies apparaissent tous les 15 jours. Nombre de tunnels, un seul. Ben, ça me va. Venez, on fait ça, là, commencer. Oui. C'est parti. On va essayer de faire une jolie base cette fois. Donc ça, c'est les updates qu'ils ont planifiés. Coming next. Du coup, c'est production statistique. Donc, statistique de production. Un shop pour les zombies. Mais laisse-moi. Oh.
Bienvenue dans Zombie Cure Lab. Notre jeu est actuellement en version anticipée et contient déjà beaucoup de contenu de jeu, vous permettant d'en avoir un aperçu général. Cependant, nous avons encore de nombreuses améliorations à apporter au jeu et nous souhaitons continuer à développer et à ajouter de nouveaux contenus. Si vous tombez sur des bugs, n'hésitez pas à nous les signaler à l'aide de notre outil de signalement. Voici le mode de partie libre. Pour ce type de mission, aucun objectif final n'est défini. Si vous débutez dans le jeu, nous vous conseillons d'effectuer la mission du tutoriel. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux que ça intéresse, le point d'exclamation zombie pour ajouter le jeu à la wishlist. Ça veut pas forcément dire que vous allez l'acheter, mais au moins ça soutient le jeu quand, pour ça, pour son early access. Coucou Lox, ça va et toi, comment vas-tu? Allez, let's go Bilbon, courage à toi, tu peux le faire. Ok. Donc là, il faut que je choisisse où est-ce que je construis ma base. Le tunnel est là. Mais je pense que ici c'est bien. Regardez, il y a pas mal de ressources. C'est bien là. T'as enfin internet, let's go! Il était temps. Il était temps. On va mettre ça ici. Et du coup là, il y a les gens qui vont arriver, si je dis pas de bêtises. Hein. Si on regarde la carte du monde, personne actuellement est en train d'arriver. C'est bien. Ah si, voilà, ils arrivent. Un mois et trois jours, c'est abusé quand même. Hein. Ok, donc nous allons construire une cuisine. En vrai, on va construire une grande cuisine, tu vois. Bah pas là. On va construire la grande cuisine ici. C'était 10 par 10 en vrai. Est-ce qu'il y avait besoin de plus? Bah pas vraiment hein, en vrai. 10 par 10. Ouais, ce sera très bien. On va construire la cuisine. On va mettre la porte ici. Et on va mettre table à manger ici et ici. Le cultivateur... Ouais, on va peut-être pas mettre le cultivateur et... On va construire qu'une table pour le moment. On va y aller petit à petit parce que je me connais. Hein. Je me connais, je vais vouloir tout construire d'un coup. Et on n'aura plus de ressources. Voilà, déjà j'ai construit la cuisine alors qu'on n'a rien. Production, camp de ressources. On va en construire un là. Et un là. Voilà, et... Production. On va le construire ici. J'ai ajouté à la wishlist, let's go. Merci Valox. On va faire un portail. Portail que nous allons mettre ici. On va le mettre là. C'est bon? Allez, c'est parti. Coucou Kaya, comment ça va? Alors celui-là, il est en priorité. Et là... Attends. Le portail aussi est en priorité. Voilà. Comme ça... On pourra construire ce camp de ressources parce qu'on va pas avoir assez de bois en fait. L'hélicoptère est arrivé au Moose Lab, et ben nickel. Ok. Bon, la première nuit, pas de zombies, c'est parfait. Ça va nous laisser le temps de tryhard ce truc. On va construire du coup quoi d'autre? Attends. Et si
on bougeait le portail de place et qu'on le mettait là. Ce serait peut-être plus simple, en fait. Ouais, ce serait mieux. Construire une chambre. Ah oui, c'était 7 par 10. Ben écoute... Ben, on va faire 9 par 8, voilà. C'est tout en fait. Et on va mettre une porte ici. Et 5 lits. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, parfait. Nickel. Moi je pense qu'on est bien parti, les amis. C'est un Sims zombie ? Non, c'est un... C'est en gros un jeu de gestion, de construction, avec des zombies. Mais oui, en fait, finalement, les Sims, c'est un jeu de simulation et de gestion. De gestion, pas trop, quand même. Un petit peu, mais c'est plus compliqué que ça. Ah, c'est vrai ? Est-ce que tu me préfères en 160p ou en 1080p, Lox ? Ici, on va faire la priorité au bois. On va laisser une priorité à ces éléments-là. Et ici, vous me recherchez tout. Voilà. Je te préfère en chair et en os. Oh ! Oh ! Madame Lox. Ah bah oui, c'est sûr, Yagdil. Il faut qu'on fasse une salle de recherche. Je pense que cette grande salle est parfaite. On peut mettre genre une porte ici et une porte ici. Voilà. Oh non, Kaya. Mais moi j'ai faim maintenant. En plus je sais que c'est des pâtes avec des chipots et j'adore ça. Oh. C'est pas grave. C'est pas grave, voyons. Ce n'est point grave. Du-du-du-du-du. Voilà, comme ça, on a une grosse... Ah oui, on a... Bon, en fait, on n'avait pas forcément besoin... Cherche-moi tout, en fait. Moi, je sens bon. Ah non, moi, je pense que je pue. Hein. Ok. Bureau de recherche. On va en mettre 3. Et on va mettre un truc de traitement. On va le mettre ici. Et évidemment, du coup, il va falloir construire de l'électricité. Comme ça. Là, c'est parfait. Nickel ! Déjà, ici, on peut pas se faire attaquer parce qu'on a mis la colline. Donc ça, c'est bien. Ce serait bien qu'on aille récupérer des buissons de... Parce que là, la phosphobée... On en a pas beaucoup, hein. Mais bien sûr qu'on parle de ça. Oh. Oh, Madame Lox. Déplacer. Mais du coup, voilà, tu vas venir ici.
Et ça, ouais, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Tu me l'as déplacé, ça? Oui, tu me le déplaces, c'est parfait. On peut pas aller par là. Si, on peut y aller, mais par là. Ok. Est-ce que je veux supprimer l'objet? Certainement pas. Ok. Ça, c'est en cours de construction. Il nous manque quoi? On a la cuisine. Alors, attends. Production. On a moyen de transport, le camp de ressources. Clôture. Portail. Attends. Ah oui, c'est la réserve principale qui doit pas être détruite. Lance-boule de neige. Ah oui. On va le mettre pile en face de la sortie. Et on va le mettre aussi ici. Pile en face d'une autre sortie, parce que nous allons construire un autre portail juste ici. Et il va falloir qu'on construise un poteau électrique. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Non mais. Et attends, est-ce qu'on le déplacerait pas ça? Parce que tu vois, finalement. Finalement, c'est mieux quand c'est carré un peu. Voilà. Donc là, on a de la recherche qui est en train de se faire. On a de la phosphobée qui est en train d'être récoltée. Pas beaucoup. Alors ici, c'est phosphobée en priorité maximale. Voilà. La nuit va arriver, il n'y aura pas de zombies et au moins on sera bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En termes de recherche. On va pas avoir assez. Congélation. Ah oui, il faut qu'on construise canon à neige. Attends, c'était dans quoi? Besoin? Nourriture. C'était quoi déjà? Production. Ah, congélateur à soufflet, bah oui! Et je peux pas, ah oui, il faut qu'on se dépêche de construire ça. Hein. Tu produis de la neige? Non mais voilà, et j'y ai pensé. J'y ai pensé, hein, Yagnil. Voilà, comme ça on sera pas pris au dépourvu. Du coup, ça a été construit. Donc là, il faut que j'aille dans production. Congélateur à soufflet. Que nous allons mettre, évidemment. Ici. Ici, ça me paraît bien. C'est une bonne idée. Tu t'es souvenu du tuto? Ouais, j'ai eu un peu du mal. Pas de zombies cette nuit. Ça tombe bien. Là, on est à 23. Ce qu'on va faire, ce que je propose qu'on fasse, c'est que pour la nourriture, parterre de phosphobée. Phosphorbée, là, ouais. Ça aurait été pas mal. On va le déplacer, mais... Il n'y a pas grand chose en fait. Bon, on va rien déplacer et on va faire maximal comme ça. Et priorité par défaut. Ah oui, tu m'étonnes, Logs. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a? Il me manque des travailleurs, c'est ça? Ils sont 20. Attends, aperçu des affectations. Là. Voilà. Et là, du coup, on peut le mettre ici. Ah! Tu vois? Parfait. Et re-coucou Nezuka!
Lox, regarde ce que j'ai reçu hier comme cadeau. Oui, c'est super cool. C'est génial. Ok, donc là il nous fait ça, donc c'est parfait, comme ça on sera prêt. Une vraie gosse. On le fait demain du coup. Hein. On va le faire demain en live. Ça va être trop cool. Par contre, il y a beaucoup de pièces et moi, c'est la première fois que je vais faire un Lego. Alors, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Tout, 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 tout. Shaman King Zero, mais t'as pas acheté Shaman King, Lox? Parce que Shaman King Zero, en gros, c'est le préquel de Shaman King. Ok, oh, il y aura 5 zombies. Oui, on sait, ok. Ok, ok, ok. Tout, 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 tout. On a prévu de prendre... Ok, d'accord. Parce que je sais qu'Ulmo, il avait pris les 3 premiers tomes de Shaman King Zero. Et il me dit... Et quand on y retourne, je dis mais... Parce que Shaman King, c'est ça. Et ce que t'as pris, c'est autre chose. Et du coup, il a commencé les Shaman King. T'as vu moi mon manga haul ou pas? Sur YouTube. N'hésitez pas, hein. Allez voir le manga haul sur YouTube, bien sûr. J'y ai mis tout mon cœur, mais merde, je peux pas faire... Oh, je peux pas faire la commande. Oui, bah alors peut-être que deux, Lox, je sais plus. C'est pas... Vu que c'est pas moi qui les achète, je sais pas vraiment. Mais là, il y a un manga que je vais m'acheter en... Ça va être mes prochains achats, j'ai regardé tous... En gros, il y a 9 tomes, et c'est 16,99€ le tome. Ce qui me revient à 130 et quelques euros. Et je me dis, ça va être mon prochain achat. J'achèterai rien d'autre. Je veux juste acheter cette œuvre-là parce que j'ai envie de tout lire. Killing Stalking. Ah, mais en même temps, Killing Stalking. Ah, voilà. Après. Ok, on a de la recherche. Attendez. Culture de phosphobée et production de légumes. Ok. Donc là, on va pouvoir faire de la culture. Par terre, voilà. On va le mettre ici, là. Comme ça. C'est parfait. Je me demande, est-ce que... Mouzlab, on lui demanderait pas... On peut en avoir que 20. Oh, c'est terrible. Attends, mais non, mais moi, je veux pas en avoir que 20. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Je te mets un carton de 20 kilos et un carton de 25 kilos. Oh, oh là là. Et t'imagines moi avec mes 800 mangas là. Je crois d'ailleurs que la dernière fois que j'ai déménagé, j'avais des meubles. J'avais plein de meubles et des cartons. Et dans les cartons, il y avait que des mangas. Que des livres. Ah bah après, Madame Lox, pour notre déménagement, on compte évidemment vous convier. Ok. Ça du coup, on va le désactiver. Et comme ça, là il y a quelqu'un qui vient et là il y a quelqu'un qui vient. Oh comme par hasard. Tiens, tiens, tiens. Non mais voilà, après... Écoute, hein. On va construire de la cuisine. Le cultivateur de viande.
là. Le cultivateur de viande, on a dit. Je veux le mettre... Attends, on va mettre ça. Ici. Et comme ça, je peux mettre le cultivateur de viande ici. Parfait. On voit l'amitié intéressée. Ah bah, et moi, de toute façon, toutes mes amitiés ne sont que des amitiés intéressées. Hein. Tout le monde le sait. Donc bon. J'attends toujours quelque chose en retour, voyons. Il y en a trop ces derniers temps. Ah ouais, c'est terrible, Nezuka. Après, nous, c'est pas encore fait. Hein. D'ailleurs, j'ai pas de nouvelles par rapport à la maison, mais bon. Ah, je pense qu'on l'aura pas et qu'on est reparti pour des recherches. Un peu le seum. Federico Maribel. Oui. Moi, je vais leur dire ce qu'ils peuvent améliorer dans leur truc. C'est que... On peut renommer les gens ou les zombies par les viewers. Hein. Ce serait bien. 48, 49, alors on va avoir un autre truc. Congélation. Station d'apaisement. C'est ça qu'il nous faut. Besoin. Attends, nourriture, production. De métal, on s'en fout. Stockage de l'énergie. En vrai. Produit de l'énergie lorsqu'un travailleur court dans la roue. Mais attends, mais c'est honteux. C'est honteux. On va peut-être attendre pour faire une éolienne. Ou alors on le fera plus tard. Et à ce moment-là, on prend la station d'apaisement. Voilà. Une roue pour élever le hamster, bah bien sûr. Bien sûr. Couloir, attends, c'est quoi ça? Non. Couloir, mais je veux pas. Ah, bah si, j'aurais pu. Mais moi, je veux... Salle d'entraînement. Oh, j'ai oublié de leur mettre un canapé. Quelle honte. Salut Gaët, comment ça va? Chambre de traitement, cuisine... Attends, elle est où ma station d'apaisement là? Voilà. On va la mettre là. On va la mettre là, c'est parfait. Et du coup, on va construire une salle de muscu. On va construire la salle d'entraînement ici. On va mettre ça. Et maintenant, regardez ce qu'on va faire. Un truc trop moche, mais vas-y, j'ai trop envie. Oh, je sais pas en fait. Hein. Non, on va pas relier. Hein. On va pas relier. Hein. Non, non, non. Ok, eux, ils ont encore de quoi faire. Il va y avoir 5 zombies, c'est ok. Ça va bien, merci. Ça va très très bien. Bon, alors, comment je fais pour boire cette canette, là? Bon bah voilà, la canette est ouverte mais elle n'est pas ouverte. Tant pis, j'ai plus de coca. No coke for me. Ah, cultivateur de viande. Oh mais attends, on va régler ça mon ami. Voilà. Et du coup là on va mettre presse à cuisse. «
Voilà. Un lance-boule de neige, on en a mis un là, c'est parfait. Cultivateur de viande. Oui, bah après, est-ce que là tout de suite j'ai besoin de ça? Non. Ah, on est bientôt à 60, 75. C'était pour quoi déjà? C'est pour la production. Non, l'électricité et l'éolienne. Voilà. On a créé une éolienne. Et du coup. On va la mettre ici, l'éolienne. Voilà. Non, je suis en mode très facile, donc la prochaine nuit, je vais avoir une attaque normale de 5 zombies. Voilà. C'est drôle ça quand même qu'il faille que je rajoute ça pour... Ouais, c'est drôle. Moi, je trouve ça plutôt drôle. Comme ça. Comme ça, ça fait quelque chose de ressemblant, tu vois. Ça fait un grand rectangle. Ouais. Elle est peut-être grande, cette pièce. Hein. Elle est peut-être un peu grande pour ce que c'est, mais bon, vas-y, c'est pas grave. Cultivateur de viande, alors attends. Là, il en a produit. Là, il y en a 60 sur 60. De toute façon, il faut toujours quelqu'un en continu en production. Là, on a quelqu'un. Là, on a un mec. Et ben là, je me dis, on peut en enlever un. Voilà, il va y avoir une attaque de zombies. Je vais demander d'aller là. Ouais, il est allé là, parfait. Alors les zombies, si je dis pas de bêtises, voilà, ils arrivent de là, hein. Ils sont 5. Ouais, mettez-vous ici, là. Voilà, comme ça on essaye de les geler, ce sera parfait. Oui, des bisous, bye bye Malox, des bisous à toi, prends soin de toi. C'est la guerre, hein. Regardez ce zombie, Sky, Dimok. Se transforme en glaçon. Et donc là, il va aller chercher le glaçon. Le seul problème, c'est qu'il peut pas y aller. Donc on va obtenir le confinement d'urgence. Non, je rigole. Pas de confinement d'urgence, mais juste on fait pas de traitement de zombies. Voilà. Non, j'ai dit pas de traitement de zombies. Vous êtes un peu bête, hein. Il va où? Il va où? Non! Confinement! Bon bah tu vas me faire le traitement d'urgence, mais on peut pas pour le moment. En fait c'est vrai qu'il faudrait que je désactive les lance-boules de neige la journée. J'y ai pas pensé. Mais tu vois, si je désactive les lance-boules de neige la journée, on en a pas besoin vu qu'il y a pas de zombies. Tout.
Oh non, il fait des heures sup. Voilà, on va lui dire de faire des bons moments. Ok. Confinement levé dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Alors, petite attaque. Oh, ça va. On devrait s'en sortir. Donc maintenant, ça. Bah pour le moment, on l'utilise pas. Et ça non plus. C'est important. Pardon, pardon, pardon. Calmez-vous, calmez-vous. Je n'ai rien fait. Science. Il me faut une progression du remède de niveau 2. Donc ça, on le verra le plus tard. En production, la production de métal. Je sais pas si c'est intéressant. Les besoins. Bande musculation, hein. Ce serait pas mal. Vous pouvez désormais faire passer vos omni-zombus au niveau 2. Prenez soin de vos omni-zombus niveau 1 où ils risquent de se mettre en colère. Pour éviter cette situation, mettez-leur de la viande et une salle d'entraînement à disposition. Vous aurez besoin de réunir les conditions suivantes pour... Ok. Technologie de grade 2, progression de... Ok. Et une chambre de traitement et de la viande grillée. Ok. C'est intéressant. Rapide comme l'éclair, hein, t'as vu ça? C'est fou quand même. Canon à neige. Armurerie de garde. Agencement, on peut... Ouais. Bah... Je sais pas, on va laisser ça comme ça. Et on va construire dans cette salle le banc de musculation. Ici. Voilà. Donc là, ils nous construisent... Priorité sur le traitement. C'est le traitement. Est-ce qu'on a un mini-zombie ? Ah, là ! Bah voilà, bah là, il est content. Il y a de la viande et tout. Oh, attends, il y a tout ce qu'il te faut, hein. Oh, Sheridan, hein. Voyons. Comme ça, tous les zombies qu'on va créer, on va les envoyer au labo. C'est totalement moi, Yagnil. Il nous manque du bois. Ok. Comment ça, il nous manque du bois? Bah non. Non, il ne manque pas de bois. Il y a des gens qui n'ont aucune affectation. Mais oui, il y a des gens qui n'ont aucune affectation. Tiens. Toi, tu vas là. Et toi... Toi, tu vas là. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut leur faire faire d'autre ? D'apaisement, ok. Je crois qu'on a 3 zombies maintenant. Ouais, Kaden, 2 et le troisième ici. Et là, il y aura un quatrième. Bah, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hein. Ce que je propose, c'est qu'on construise canon à neige. Voilà. Et comme ça, on essaiera d'avoir plus de zombies. Défense. Ça doit être possible, mais je sais pas. Je vais le mettre comme ça. C'est parfait. Voilà, on a des zombies, on va les envoyer après. Ça va, t'es à moitié dedans. Oh, dis donc. Cette mauvaise foi.
Je vais leur dire d'aller chercher des trucs là. Canon à neige, mais c'est, ça tombe bien, il faut qu'il y ait personne dedans. C'est pas avant la nuit. Oh, par contre, c'est un peu chiant parce que du coup, il y aura que 3 zombies la prochaine nuit. Donc finalement, on va pas tant avancer que ça. Salut la Maravin, comment vas-tu? Matrixé par les poteaux électriques, quoi. Ça y est, ok. Donc, on va aller dans la carte du monde. On va aller à Moose Lab. Et on va y mettre les 3 zombies. Progression du remède, ouais. En vrai, ce serait pas mal. Bon, quoique, autant attendre qu'il y en ait 10. Comme ça, voilà. Bah, pas tant que ça, la Maravin. J'ai pas... Je me suis un peu ennuyée sur... sur FF. Du coup, bon, bah voilà. Lanceur de boules de neige. Alors, attends. Là, il y a des gens qui n'ont aucune affectation. Hein. Ah oui, on peut peut-être le refaire fonctionner. On peut le déplacer, genre... Ouais... Ici. Voilà. Attends, on est d'accord que... Ouais, moyen de transport, c'est bon. Et comme ça, on lui dit... Là, il nous l'active et on réactive ce truc en attendant. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Non mais du coup c'est pour ça que j'ai préféré arrêter et du coup on fait celui-là, demain on fera du Lego et jeudi si j'ai envie de retourner sur FF on y retournera. Là ils peuvent y aller, ils seront contents. Et ben voilà, bah nickel hein. Si pas de FF, est-ce que j'ai un plan B? Possible. Il se pourrait que si jamais on n'aille pas sur FF, on tente un jeu du nom de l'âge des dragons. L'ère des dragons, je préfère, plus que l'âge. On va voir tous les premiers épisodes de One Piece. Non, ça je l'ai fait plein de fois. Oh bah ouais, bah écoutez, on fait pas grand chose. Ça détend, t'as vu, c'est cool hein, ça détend, mais de toute façon les jeux de gestion en vrai ça détend hein, de manière générale. Électricité, ouais, je sais pas hein. Non, t'as rien vu la Maravin. C'est Eki qui va être contente. Ouais. Regarde bien la Maravin, regarde.
Surprise demain du coup. Ah bah oui. Attends. Je suis pas prête. J'avais pas vu que c'était la nuit. Hop. On arrête. Et maintenant, je veux. On relance ça. Voilà. C'est vrai, t'allais le prendre, mais go te le prendre en vrai et on le fait en même temps demain. Ah ouais, mais peut-être qu'il arrivera pas demain chez toi. Mes collègues, là, ils me parlent, mais j'ai aucune chose de plus important à faire que t'as fait. Ah si, je peux faire le Lego Horizon Forbidden West. Non ? Voilà, comme ça, ça les touche un peu. Ok. Faut que je démissionne pour demain et que je repose tout le jeudi. C'est à peu près ça. Ok, en vrai, il est de bonne humeur, mais tu sais que tu peux aller manger, mon grand. Hein. Tu es libre d'aller manger, hein. Solution trouvée, bah nickel. Normalement, les trois, on va pouvoir les capturer, on va pouvoir les transformer, ce qui nous fera 6 zombies. Et il nous manquera ensuite... Il nous manquera 4, c'est ça, on en aura 6, il nous en manquera 4. Ok, lui, deuxième transformé. Par contre, lui, il faudrait qu'il se dépêche de revenir par là. Hein. Ce serait cool. J'essaierai de passer demain si je peux, sinon rediff. Ouais, sinon rediff. Après, en fonction de comment je me débrouille, je vais peut-être essayer de faire un... une vidéo en mode... time-lapse. Pas stop-motion, mais time-lapse. Où en gros, je vais prendre les moments où je construis, tu vois, avec la caméra qu'elle va enregistrer. Et je vais les coller et faire ça assez rapidement pour qu'on voit le montage au fur et à mesure. Assez rapidement, tu vois, que je le posterai certainement sur YouTube et sur TikTok. On faudra voir. Ça peut être sympa. Ça me fait penser qu'il n'y a pas de TikTok qui va se... se poster aujourd'hui. Il faut que je le prépare après le live. Ce sera un, ce sera un. Les sources de danger ont disparu. Alors c'est parfait. Du coup, vous pouvez reprendre. Ok, ça on coupe. Ça on coupe. Et là. Et ça on coupe. Du coup, il n'y a plus besoin. En plus, j'ai une idée trop drôle à faire. Vous savez, j'ai décidé que mon TikTok... Bon, il y aurait quelques trucs sérieux. Mais j'ai décidé que mon TikTok serait du full troll. Voilà. C'est l'envie que j'ai de voir mon TikTok. C'est que je troll beaucoup, 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 beaucoup de trucs de troll, tu vois.
Un TikTok par jour? Non, en fait, j'ai repris là que depuis une semaine, quoi. Mais ouais, j'essaye de tenir un TikTok par jour, mais tu vois pas que pour le mois de décembre, l'objectif, ce serait que ce soit tous les jours pendant quelques mois. Donc j'en prépare à l'avance et tout. T'auras l'âge, les cartes? Ouais, ça, ce sera cool. La prochaine nuit, c'est bon. Donc du coup, on peut relancer ça. On peut relancer ça. Voilà. Ouais, là, ils sont deux pour la production. C'est parfait. On en aura besoin. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin d'être deux. On a combien de zombies? On a 6 zombies, ouais, c'est ça. Hein. Donc là, on fait ça et ensuite, comme ça, la chambre... En fait, j'ai pensé... Mais ça sert à rien de la laisser tourner, la chambre de traitement, si j'ai pas de zombies. Tu vois, il faut optimiser comme ça, j'y pense pas. J'y pense pas assez. Toutou. Bah, c'est différent que patron. Tu vois, la gestion, elle est pas au même endroit. Rémi Verneuil. Ah, il y a tout ça en affectation. Oh. Peut-être l'affecter là. C'est bon du coup? Ok. Donc là, ils vont transformer le zombie. C'est parfait. Non mais il est sympa ce jeu, vous en pensez quoi du coup? Moi j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a? Pas assez de travailleurs, tu te fous de moi? Il rigole ou quoi? Comment ça, pas assez de travailleurs? Tu rigoles? Ok, donc là il n'y a plus de zombies, donc ça, hop, on l'enlève. Ici, moyen de transport. En vrai, je me dis, on pourrait construire un autre moyen de transport. C'est où? Production, moyen de transport. C'est où qu'il y aurait des trucs intéressants? Bah. On pourrait mettre ça là. Et comme ça, on pourrait construire... Bah, en vrai, on pourrait surtout déplacer ce camp. Ici. Voilà, ça me paraît bien. Ouais, pour une early access, c'est vraiment cool. Hein. Vraiment très très cool. Eux, ils nous construisent tout ça, là. Ils sont en train de remplir. Et ça, on va le déplacer. Voilà, on va le placer là. Comme ça, il y aura, on pourra tous les, voilà. Et même qu'on va construire recherche. Non, mais est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup quand même. On va quand même construire ça. Je me dis. Si on construit ça, ça ira plus vite et donc voilà. Arrête, il faut pas que je joue. Il faut pas que je joue à... Arrête. Il me tente pas.
T'as assez de travailleurs, oui, mais ça, ok. Ça, ok. Et du coup, ici, mais me dis pas qu'il n'y a pas assez de travailleurs, je sais qu'il y a assez de travailleurs. Non, on n'a peut-être pas assez, t'as raison. T'as raison, c'est possible. Coucou, Iméo! Essaye de lire sur mes lèvres. Ce jeu est cool, n'hésite pas à acheter du chocolat. Non, mais bref, j'arrête. Il faut que j'arrête avec le chocolat, c'est pas bien. J'ai envie de grignoter plein de trucs en ce moment, je crève de faim tout le temps, c'est horrible. Absence de connexion au réseau, bah tiens, tiens, tiens. Non, mais Yagdil, il faut pas vendre la mèche comme ça là. La plus importante. Non, mais vous savez quand même que dans nos magasins, il y a pénurie de chocolat. Mais genre pas de calendrier de chocolat, non, de chocolat. Genre de tablettes de chocolat. J'ai rien entendu. Ok. Ça va bientôt être la nuit. De toute façon, en fait, là, pour le moment, il fonctionne pas. GP, Kaiox. GP. Ah non! Oh, je déteste les Ferrero, il le sait, hein. Il le sait, hein. J'aime pas ça. Tu vas t'acheter quoi, Kaiox? Ah ouais, les Kinder. Oh! J'ai envie de Kinder. Des Kinder, ouais. Genre. Des jeux Kinder. Mais en plus, il est en promo et tu sais que j'ai reçu un mail. Il a pas mal de trucs de promo. Attends, je te retrouve le mail. En gros. Il faut que je trouve le doc là. Si je regarde bien. Tu as Frostpunk qui est en promo, tu as le Season Pass qui est en promo, tu as le Game of the Year Edition qui est en promo, donc certainement qu'il y a tous les DLC. Tu as le On the Edge, The Last Autumn et The Rift qui sont en promo, mais ça doit... Hii! Pause. Et tu as... Ouais, tu as les 3 DLC qui sont en promo. Donc je me demande si ça vaut pas le coup de prendre le Game of the Year Edition. Avec les DLC inclus. J'ai pas fait ça, mais qu'est-ce que je suis bête? J'aurais dû faire ça. Alors attends. Là. Ça, on n'a pas besoin de le faire marcher. Les légumes. Ouais. Mielis, coucou! Bonjour, bonjour! Comment ça va, Mielis? Comment vas-tu? Bah, avec plaisir, Kaiox. Bonjour, Atsuyu! T'étais sur quoi aujourd'hui? Que faisais-tu de beau? Et mais je crois qu'ils peuvent pas. Attends. Si je mets play. J'ai simsé toute la matinée, je suis au bout de ma vie du week-end en Belgique, mais ça va pas nickel. Et on a enfin fini l'immeuble. Oh, il faut que je vois ça vraiment. Faut vraiment que je vois ça. Mais faudrait que tu postes sur TikTok et tout ton avancée. C'est trop cool. Je trouve ça génial comme
comme concept. Et salut les miches et salut Grognac, comment ça va? Nous on doit faire la maison de mes rêves, enfin je dois faire Nami Architect sur les Sims suite à un donation gold il y a 2 mois. Mais moi je vais pas faire un truc aussi bien que toi, hein. Moi je vais faire une baraque. Je crois que c'est tout. Je vais juste faire une petite maison, simple, parce que bon hein. Ok non, il faut que ce soit des zombies. Donc là... ici... donc normalement... normalement on est bon. Il va y avoir 13 zombies hein. Ça devrait le faire. Oui, ici en vrai ils s'en occupent. Je me demande si je devrais pas construire un autre congélateur à souffler. Ok. Ok. Ils vont se faire attaquer, ça craint. Ça craint du boudin là. Ah ouais. Ah ouais, trop cool ça, Mielis. Trop cool comme concept. Bon, en tout cas, c'est super cool. J'espère que tu t'es éclaté sur ton poté stream. Bon, lui, il va rien faire. Là, il nous faut 4. Il nous faut 4 zombies. Il nous en faut 4. Normalement, ça devrait le faire. Oh, quoique la nuit, elle est bientôt tombée, là. Hein. Oh non, dépêchez-vous, s'il vous plaît. On a vraiment besoin. Ah oh ouais, non, ce serait con qu'on en ait que 3. Hein. Allez, ça va le faire, ça va le faire. Heureusement qu'il y a le canon à neige. Hein. C'est bon, normalement ça le fait. Non, non, c'est bon, j'ai pas besoin d'attendre, c'est bon. On va avoir les 4. On va même en avoir 5, nickel. Et la nuit est bientôt finie. Ah non, pas du tout. Non, la nuit se finit à 5h et il est 2h30 dans le jeu. Il est vraiment trop bien ce jeu, hein. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ouais, le canon à neige, bah ça envoie de la neige en continu en fait, donc c'est pas mal, tu vois. Ok, 3h15. Regardez, eux, ils ramènent de la neige, oh, trop bien. Et on a 7 zombies? Comment ça se fait qu'on ait 7 zombies? Ok. J'imagine quand même qu'on les aura presque tous tués, hein. Allez, plus que 30 minutes. Mais je sais qu'il y en a beaucoup, mais au pire, ils pourront s'échapper. Mais c'est pour ça que j'ai mis 2 chambres de traitement, en fait, Yagnil. Ok. Ok, on met pause. On met pause. Donc là, regarde. Ça, ça tourne plus. Ça, ça tourne plus. Par contre, ça, ça tourne. Et ça, ça tourne. Et du coup, si je mets play...
Voilà, ils seront deux et deux pour faire tourner. Et il y a ça qui va continuer à envoyer. Quoique. Non, laisse tomber. Laisse tomber, ça va être l'enfer. J'aimerais bien rajouter un mec là et un mec là. Voilà. Et du coup, fin du confinement. C'est bon, vous pouvez retourner bosser. Ah non, justement, j'ai fait une deuxième chambre exprès pour qu'il soit deux à s'en occuper, tu vois. Et du coup, alors attends. Ici. On va mettre un mec. Prendre ressources, ils sont 3. Et là. Voilà. C'est bon, normalement, ça devrait être OK. Ils sont 3 pour gérer le truc et tout. Il y a un zombie qui est coincé. J'espère qu'on va... On va réussir. On en a 8, il nous en manque que 2 en vrai. C'est ok. Ça le fait. C'est bon. On va pouvoir avoir le truc de traitement de niveau 2. On va peut-être accélérer le temps. Ok, il y en a 10. Il y en a 10, c'est le moment. Mouzlab. Tadam ! On va envoyer l'hélicoptère. Qu'est-ce que je peux demander ? En vrai, je peux demander ça, hein. Et ça. Voilà. Et de la viande. Ouais. Envoyez l'hélicoptère, allez, c'est parti. Tu penses que je pourrais... Ah oui, transformer les zombies en niveau 2. Ah bah oui. Mais alors, attends. Agencement, congélation, armurerie de garde. C'est quoi, on va... $450 de recherche pour la nourriture, la production de métal. Ouais. Ouais, bof. Ça, il faut qu'on garde en fait pour améliorer le laboratoire et ouais. Ouais. On va garder. On va essayer de farmer 450 ici. Ça, c'est cool. Dix travailleurs s'en vont. Ah oui. Ah oui, il y a 10 travailleurs qui s'en vont là. Attends, il n'y a pas tous mes travailleurs. Ah, ils arrivent, c'est bon. Donc là... Ok. Ici. Ok, et ici, ok. Il nous en reste 2 à faire. Et ça, ok. Parfait! Il est vraiment très sympa, la Maravin, le... Le jeu.
Voilà. On arrête ça comme ça, on garde le dernier. Objectif, garder le dernier là. Pour construire le truc de niveau 2. Voilà, let's go. Alors dans la recherche du coup, si je dis pas de bêtises. Donc là, est-ce que je peux améliorer? Non. Réparation, non. Supprimer l'objet. Là, lui, là. Lui, vous me le supprimez. Et comme ça, normalement... Attends. Ah oui, non, il faut que j'ai ça et ça. Oh. Oh, terrible. Terrible, terrible. Mais il est 15h, les amis. Il est 15h. Il faut qu'on sauvegarde. Nouvelle sauvegarde. On va l'appeler Pizza Ananas, évidemment. Sauvegarder la partie. Voilà. On va s'arrêter là ? Vraiment trop cool, hein. Vraiment très très cool, voilà. La progression a été sauvegardée. C'était super cool.